J'ai beaucoup de plaisir car je suis en compagnie ce matin de Marcel Hamon. Bonjour Marcel. Comment allez-vous? En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir, Marcel. Ma première question, ce sera de savoir comment vous allez, parce que, bon, on sait à peu près votre âge, et c'est vrai que c'est toujours une performance de monter sur scène. Alors, quel est le secret de la forme? Ben, écoutez, c'est facile, je vais pas faire ma coquette, là. Je suis né en 1929, et bon, à vous de calculer. Ben, le secret de la forme, en réalité, je vais dire des choses, mais tout bêtement simples. C'est que d'abord, un, merci papa, merci maman, ça doit être un peu génétique quand même. Mon père et ma mère, si mon père et ma mère avaient pesé 150 kilos chacun, je serais moins svelte peut-être. Bon, ça c'est une chose. La deuxième, je crois, ce qu'il faut dire aux jeunes qui veulent faire ce métier comme à tous les jeunes pour qui la vie s'ouvre devant eux, ben, c'est qu'il faut quand même ne jamais souvenir quelque métier qu'on fasse. Et quelle que soit la popularité qu'on connaît, on continue à rester un être humain fait comme les autres. Alors si vous commencez à répondre à toutes les invitations, à vous baffrer et à boire et à passer trop de nuits blanches, attention, j'ai pas dit qu'il fallait vivre comme un moine, mais il faut se garder. Voilà, prenez un exemple, par exemple, un type aussi intelligent et aussi talentueux que Gainsbourg. Hey. Mais c'est du suicide de se mettre des hectolitres comme ça dans l'organisme. Voilà. Mais il avait complètement oublié, sûrement, qu'il était fait comme les postiers, les instituteurs, les bûcherons. Pareil. Et les artistes. Ah oui. Alors revenons à la chanson, Marcel. Mais quand je suis arrivé à Paris, en 1951, début 51, il est clair que je n'ai pas enregistré du tout. Je n'ai pas enregistré tout. Je n'ai commencé à enregistrer qu'à partir de 56, vous voyez. Souvent, j'entends des jeunes se lamenter parce qu'au bout de 6 mois, ils n'ont toujours pas fait de disque. Mais bon, c'était beaucoup plus long autrefois. Et en 56, donc, j'ai enregistré un disque et beaucoup de gens me disent: votre première chanson en 56. Non, pas en 56, en 49. Oui. Alors, il y a eu toutes ces chansons, Tout doux, tout doucement, Bleu, blanc, blond, le fameux Mexicain, bien sûr. L'amour, ça fait passer le temps, C'est aujourd'hui dimanche, et puis bien d'autres encore. Et puis, alors, il y a eu un moment où on vous a plus vu à la télévision, mais néanmoins, vous avez continué à travailler. Ben oui, j'ai eu cette chance parce que, voilà, j'ai continué à travailler, hein, dans la France profonde. Et puis, vous savez, il y a de la ressource, même si c'est l'anglais qui prédomine dans le monde. J'ai eu la ressource d'aller chanter en français à travers le monde, parce que c'est mon côté visuel. Et je pense que c'est parce que j'ai fait mon trou hors de la télévision à mes débuts que un noyau de fidèles ne m'a pas oublié, ce qui m'a permis de ne pas disparaître. Et je pense qu'un jeune dans les années 70, 80, qui ne passe plus à la télévision, c'est la mort assurée, hein, je crois. Je crois aussi. Mais on vous aime, Marcel Hamon. Et je sais, Marcel, que vous avez beaucoup, beaucoup de projets actuellement. Il y a un monsieur que j'aimais beaucoup, avec qui nous étions très copains, qui était mon aîné de quelques années, qui était Henri Salvador. Henri Salvador a fait un retour inespéré. Et là-dessus, des jeunes gens sont venus me voir, m'ont dit: voilà, nous, on ne vous connaissait pas. On a appris que quand vous étiez étudiant, vous jouiez du saxo dans un petit orchestre de jazz. Je leur dis: vous savez, j'ai jamais cassé 3 pattes à un canard avec mon saxophone. Mais voilà, oui, c'est vrai. Et ils m'ont dit: on aimerait vous faire un disque un peu jazzy en reprenant des chansons à vous, en les transformant un peu. Et si vous vouliez bien travailler avec des jeunes. Je leur dis: quoi? Travailler avec des jeunes? Mais ça fait 20 ans que j'attends ça, de travailler avec des jeunes. Et on a fait ce disque qui est sorti dans une maison de jazz chez Francis Dreyfus. Après, il s'en est suivi l'Olympia, et puis bon, on m'a revu un peu sur les médias, et puis là, dans la foulée, j'espère que ça va être comme ça jusqu'à 100 ans, dans la foulée, l'INA, l'Institut National d'Audiovisuel, me demande de faire un coffret où je retrace pas loin de 50-50 télévisions. Et ça me ravit parce que je vois tout mon passé défiler. Malheureusement, on voit bien des disparus, mais bon, ça m'attriste et ça me réjouit en même temps.
Marcel, en tout cas, merci. On parlerait longtemps avec vous parce que la carrière est belle, elle est longue et elle va continuer encore longtemps avec d'autres choses encore. Marcel Hamon, merci à vous de nous avoir consacré quelques minutes. Merci à vous. À très bientôt. Allez, au revoir. La canción del mexicano. Oui. Con mil sombrero, un mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez. Anguise, 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 anguise de parasol. Il n'est pas loin de midi d'après le soleil. Formidable aujourd'hui, c'est que j'y sommeille. L'existence est un problème, on n'en plus finir. Chaque jour, chaque nuit, c'est le même. Il vaut mieux dormir. Rien que trouver à manger, ce n'est pourtant là qu'un détail. Mais ça suffirait à pousser un homme au travail. Aïe, 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 aïe. J'ai une soif du tonnerre, il faudrait trouver un gars pour jouer un verre en trois coups de dé. Je ne vois que des fauchés tout autour de moi. Et d'ailleurs, ils ont l'air de tricher aussi bien que moi. Et pourtant j'ai le gosier comme du buvard, du buvard. Ça m'arrangerait bougrement s'il pouvait pleuvoir. Un mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez. Anguise, 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 anguise de parasol. Oui, 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 oui. Voici venir Cristobal, mon Dieu qu'il est fier. C'est vrai qu'il n'est général que depuis hier. Quand il aura terminé sa révolution, nous pourrons continuer tous les deux la conversation. Il est mon meilleur ami, j'ai parié sur lui 10 pesos. Et s'il est battu, je n'ai plus qu'à leur dire adios. On voit partout des soldats courant dans les rues. Si vous ne vous garez pas, ils vous marchent dessus. Aïe. Et le matin, quel boucan, sacré nom de nom. Ce qu'ils sont agaçants, énervants, avec leurs canons. Ça devrait être interdit, un chahut pareil à midi. Quand il y a des gens sapristi qui ont en sommeil. Un mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez. Anguise, 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 quel sombrero. Anguise, 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 allez coucher. Anguise, 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 anguise.